Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va parler du looper. C'est vrai. Hein, on va essayer de pas se louper. On va essayer de pas se rater. On va essayer de pas se rater. C'était un peu facile quand même. Bah oui, sur un peu facile. Ouais, tout ça. Générique. Une loupe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un looper? Un looper, c'est quelque chose qui va nous permettre de créer des boucles. Voilà. Tu traduis loupe? Ouais, voilà. C'est, t'as vu le roi de la paraphrase un peu? Moi, au lycée, je me prenais les petits commentaires paraphrase as fuck. Non, c'est quelque chose qui va nous permettre d'enregistrer donc une séquence, une boucle. Un passage, un fragment même. Un fragment même. Et qui va nous permettre de le répéter indéfiniment et surtout de superposer aussi des loops. Donc c'est un outil de ouf quand t'es c'est créatif. Un outil de travail, ou alors ça peut être un outil. Alors c'est un outil de travail. Ah, aussi pour la rythmique. Ouais, voilà, j'allais dire, c'est un outil de travail littéralement pour se créer des petits fragments. Par exemple, j'ai envie de travailler sur une suite d'accords en particulier, me fais une loop. Pour se superposer des choses aussi en live, t'as des gens qui font des utilisations très très créatives d'un looper en superposant des loops. J'ai vu. C'est excessivement casse-gueule parce que le moindre décalage est pourri. Après, tu peux mais ça bombe bien sur YouTube, ça. Tu peux parce que c'est vrai que tu fais la musique pour que ça se voit sur YouTube. Ouais, c'est ça. le concept. Voilà, c'est ça, DJ Mozart, tout ça. DJ Mozart. L'idée, c'est surtout que ça peut se synchroniser en midi après pour pas se foirer sur des tempos. Là, tu rentres dans un truc de ouf. Voilà, mais toujours est-il que concrètement, c'est un très très bon outil de travail ou de créativité. Moi, c'est en fait, si on devait résumer en outil de travail, tu peux soit travailler chez toi avec ta carte son. Ouais, ou même dans ton ou ampli, avec un groupe, c'est encore mieux. Ou un ampli ou quoi. Mais quand t'as pas tout ça. Ah oui, d'accord. Je parle d'outils. Oui, ok. Pour travailler la rythmique, pour travailler l'improvisation, tu peux travailler sur ta carte son avec des logiciels, comme tu m'as montré hier sur Logic. Ouais, typiquement, tu fais ça, voilà. Ou alors tu travailles en groupe, c'est l'idéal, c'est trop cool. Oui, bien sûr. Ça, c'est trop cool. Mais quand tu peux pas faire tout ça et quand t'as pas envie de t'embêter avec un logiciel, tu prends un looper. Absolument. Voilà. Et le looper, tu le mets direct dans ton ampli ou même ta carte son ou quoi. Ouais. Ou... Des fois, t'as peut-être des sorties casque. Fais gaffe, celui-là, il se vend cher, c'est un looper de fin de chaîne. Je vais pas. Ah, quel bâtard. Et non, mais tu le mets en sortie de ton pedalboard juste avant ton ampli ou quoi que ce soit. Et puis tu te fais tes petites banques en fait. Et du coup, tu as accès. Ah, finalement, tes loops pour travailler. C'est vraiment très, très c'est pratique. C'est super pratique. Je dois avouer que j'utilise ça très rarement. Je ne sais pas l'utiliser. Ouais, tu ne sais pas l'utiliser, mais tu t'en sors quand même très bien. On a vu la vidéo sur le reggae, le néo-soul et tout. Ouais, mais je galère avec le gap, en fait, à choper le bon... Parce que c'est un peu sensible. J'ai jamais su si c'était le moment où tu appuies sur le switch ou le moment où tu relâches. Et du coup, je galère un peu. Bon, bref, c'est pas grave. Mais ça, c'est une donnée technique que, à mon avis, c'est quand tu appuies. Ouais, il y a moyen. Si j'avais ce serait logique. Si j'avais conçu, j'aurais fait ça. Mais ça, c'est eux qui décident. Hein. Ouais, et du coup, moi, effectivement, chez moi, je bosse plus. Complètement débranché comme ça, en fait, tout le temps, parce que j'ai pas d'ampli. Donc je me fais mes loops dans ma tête. C'est angoissant quand il y a toutes ces notes. Tu vas trop vite. Ça sert à rien, c'est pas la musique, y a pas de feeling. Y a pas de feeling. Y a pas de feeling. On va y revenir, on va créer des loops et tout un peu plus tard dans la vidéo. Absolument. Juste pour le kiff, je t'ai fait un petit pedalboard. Ouais, bah il suffit pour que je kiffe ma moustache. Hein. Voilà. Il y a ce qu'il faut d'ailleurs. Je t'ai fait un petit pedalboard qui va bien. C'était bien quand tu couplais la Savage comme ça. Par contre, comme ça je veux dire. Mais quand tu fumais tout seul, ouais. Bon, mais viens, on en parle justement des pédales. Là, tu m'as fait un petit truc, je t'ai juste. Bah, en fait, je t'ai rien dit. Là, tu m'as fait full surprise ce matin, je suis arrivé, il y avait ça, c'était alors, c'est pas que moi, c'est Antoine aussi. C'est pas Antoine derrière les caméras qui a dit aujourd'hui, aujourd'hui Jean-Régis n'est pas Thomas. Non, Jean-Régis est Antoine. Voilà. Mais on parle de ça là, ça c'est le sexe. Oui. C'est le sexe, c'est la pédale du sexe. C'est la Hi-Hat Room de Milkman. C'est un booster comme jamais. Je pense que tu vois, moi j'adore le Kili Katana. Oui. Je pense qu'il va être remplacé par ça. Ça dans... c'est quand même très bien, ça j'aime beaucoup. Ouais. Donc cette pédale là, c'est un truc d'audiophile. C'est-à-dire qu'on voit ça que dans les systèmes de gens qui sont prêts à payer 10 000 euros pour un système d'écoute. D'ailleurs, la pédale vaut 10 000 euros. Non, là, je sais même pas combien elle coûte. Elle doit coûter quelque chose, ouais. Elle doit coûter quelque chose, on mettra le lien dans la barre d'infos, parce qu'on va distribuer cette pédale, je la trouve ouf. Elle est ouf. Et donc, en fait, le délire, c'est que dans une pédale de boost, normalement, tu mets soit un transistor, soit un AOP. D'accord. Le transistor, bah, tout seul, ça te fait un boost, sauf qu'il va vite saturer. Mmh. Un AOP, il fait le boost, il sature plus ou moins, ça dépend. Là, ils ont pris l'AOP, et dans un AOP, en fait, pour créer un AOP en silicium, on va intégrer plein de transistors. Mmh. Et bien, ils ont pris ces transistors, ils les ont soudés de manière discrète, c'est-à-dire en réel. C'est des psychopathes. Ouais, c'est bien, c'est complètement fou. Oui, j'ai essayé d'ouvrir pour regarder, j'ai pas pu s'en tout casser. Moi, ce que je sais, c'est que ça sonne bien et que ça me va très bien. Ah bah, viens, on écoute. Juste un petit point, ce potard-là, c'est tout doux au-dessus et c'est très... Oh là. Ouais, c'est rugueux. Oh, c'est pour ça que je dis que c'est la pédale du sexe. Je sais pas, ouf.
Ça me laisse pas tout à fait indifférent. Non, je sais. Laisse mon potard. J'arriverai presque à la puberté avec ça. Vas-y. Non, écoute, la loi d'Andy. Là, je suis complètement à poil. C'est pas mal. À sec. À sec, tel un intermittent en 2021. Ouh! Et maintenant, avec un boost, tu te sens un peu mieux. Je me sens plus vivant. J'ai l'impression d'exister, ça me donne une légitimité dans la vie, c'est beau. C'est ça. On peut mettre à fond, mais ça va faire mal. Non, Jean Casque. Oh, allez, joue pour Jean Casque. Ça a dû saturer de partout. Jean, la régie, nous dit que ça sature. Bah, évidemment. À ton avis. Évidemment. Bon. On a pris une déferlante de volume dans la gueule, ça faisait depuis la vidéo Headroom qu'on n'avait pas pris ça. Ouais, mais bah, elle s'appelle Headroom. Oh, bah c'est marrant ça. Voilà, c'est lié tout ça. Bon, après celle-ci, on entre dans une pédale assez méconnue. Voilà, tac. Pulse Doppler, c'est un phaseur des familles avec beaucoup trop de réglages. Moi j'aime bien ce que fait Thorpe, mais là c'est un petit peu complexe, mais Adrienne. Mais c'est son délire, il fait toujours des trucs un peu plus que les autres, genre il va plus loin. C'est vrai. Donc c'est ça qui est remarquable, ça fait un phaseur qui est fortement intéressant. Sa phase. Écoute-moi ça. Là, il a tout cassé, il est content. Il est content, il a cassé sa pédale, il est content. Ah! Écoute ça, tu peux faire aussi une vibe avec vibrato, je pense. C'est un phaseur qui va plus loin que le phaseur habituel, quoi. Ça déphase complètement, effectivement. T'es déphasé, tel un lendemain matin de je ne sais quoi. Voilà. La Orchard. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est chez mon copain. Ça, c'est très joli. C'est TJ au Portugal. On avait vu la Borealis de Tonewave. De Tonewave, j'allais dire Tonewave. Bah, après, Tonewave, c'est la marque, mais TJ, c'est le boss. TJ. TJ Fernandez. D'accord. Et bah, c'est beau ce qu'il fait. C'est la famille. Et ça, c'est moustachu aussi. Trémolo qui va très bien. C'est mieux qu'un trémolo qui va trémolo. Dédicace pour mon papa. Oui, oui, c'est l'anniversaire de Pierre Hernandez quelque part dans l'année, donc on va dire que c'est... Chaque année, je lui envoie normalement, mais là, cette année, je crois que je l'ai pas fait. T'as failli à ta mission cette année. Eh oui. Ouais, eh mon oui. Père bah, voilà. Aime le jazz. Voilà. Voilà, on peut pas être parfait, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Papa, viens, ce mot stoner. Stoner jazz. Stoner jazz. Okay. On lui fait écouter des formes d'ondes. Alors, il y a des formes d'ondes complètement improbables là-dessus, telle la forme qui ressemble à un hibou d'ici.
Bon, et puis l'ARP 87 qu'on connaît très bien. Qu'on connaît très bien et qui, malheureusement, si tu l'as pas, c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Elle est très moustachue. T'en dis quoi de ce board ? Moi, j'en dis que ça marche très très bien et qu'il y a de quoi faire des boucles de bâtard. Là, on a le Ditto Looper. Oui, parlons du Looper. Donc voilà, t'as bien vu que ce board, je l'avais designé pour que tu puisses faire tes loops. Ah bah clairement, là, c'est... tu me connais bien parce que là, t'as mis tout ce que j'aime dans la vie. Le TC, le Ditto Looper, c'est... en fait, il existe en plein d'itérations différentes. Là, on a le X2, le X2. Ouais. Bah, ça marche très très bien. On l'utilise pour une seule fonction. J'ai clairement vu qu'il y avait deux fous dessus, je me suis dit peut-être ce sera mieux pour Swan. Bah ouais, comme ça j'ai En fait, il sera quoi le deuxième ? J'ai tout le loisir de me foirer. Alors le deuxième enclenche un FX qu'on a à droite via un switch. Oh, c'est angoissant. Soit le reverse. Tu veux dire qu'ils vont faire un effet ? Le reverse, c'est-à-dire que ça va jouer mon truc à l'envers. Oh. Le half speed qui va le jouer deux fois plus lent et le stop, j'imagine que ça le. Viens, on essaie quand même, je suis curieux. Ah, je lance la loupe de tout à l'heure. Si je le respire. Ah là, c'est ta loupe en deux fois plus lente, c'est ça? Ah ouais. Ah ça c'est bien pour s'entraîner. Ouais, c'est vraiment l'enfer, bon. Mais c'est marrant. Bon, en vrai, c'est pas trop mal ces petits FX pour s'entraîner lentement. Faudrait limite que je fasse une boucle un peu plus rapide du coup pour que le high speed soit exploitable. C'est là, en plus, ça le pitch du coup de manière un peu moustachue. Bon, bref. Non, c'est pas mal. C'est rigolo. Okay. Le reverse, c'est vraiment sympa. Tu sais, moi j'utilise beaucoup en ce moment en studio des reverse delay, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est plus pour donner du corps. Ouais, mais c'est plus pour faire des effets. Bah, c'est marrant. Là, là-bas, c'est un outil pour s'amuser et s'entraîner. Bon alors, le looper, comment tu t'y prends de manière créative pour le... Comment tu fais un morceau avec un looper, toi ? Moi, je sais pas, je pense ça comme un peu... comme un vrai morceau, c'est-à-dire que je vais faire une ligne de drums, une ligne de basse, des accords. Alors, drums, on est à la guitare. Hein. Ouais, okay, donc je vais taper sur mes cordes et faire genre ça groove alors que dalle. Okay. L'idée, c'est que voilà, je vais juste me faire quelques couches histoire que ça me fasse une suite quoi, qui ait du sens. Okay. Si je me prends une suite à la con... Bah, tu commences par quoi Je sais pas, je vais commencer par... Tiens, une basse, je vais commencer par une basse. Allez, je suis un taré, moi. Allez, je vis dangereusement. Vis dangereusement. Et tout à l'heure, tu m'avais pas dit qu'en fait, tu l'as joué deux fois. Ouais, si, c'est ta méthode à toi. Tu l'as joué deux fois pour avoir une loupe un peu plus grande. Ça peut, effectivement. Si je fais par exemple... Ça, c'est ta ligne de basse. Ensuite, c'est ma ligne de basse. T'envoies quoi après ? Des accords. Vas-y. Voilà. Je vais mettre un delay, un petit trémolo. Et sur un truc contrôlable là ? Non, moi je veux le contrôler. Voilà, en sinus comme ça. C'est bien le trémolo sur les accords quand tu fais un swell. Ouais, carrément. Avec un delay en plus, c'est... Ouais.
c'est bien. Et la reverb du Celt. Là, clairement, le son, c'est pas dans les doigts, le son, c'est dans les épaules. Ouais. Il y a pas de. Y a Trémolo, delay, reverb et swell. Chapeau. Ouais, facile. Facile. Ok, voilà. Donc, ça, c'est pour faire une espèce de base. Des fois, je vais mettre une. Là, tu vois, j'ai noté pas mal les ghost notes quand j'ai fait la base, donc il n'y a pas nécessairement besoin de faire une drums du pauvre. Par contre, là, du coup, je vais m'éclater, je vais faire. Là, tu te fais tes petits solos, tes petits solis tranquilles, quoi. Bêtises, quoi. Voilà, c'est un petit peu de ça. Ça me donne un son que j'aime beaucoup. Là, j'ai delay, savage et high headroom, donc dans l'autre sens. High headroom, savage et delay. Ouais, dans ce sens-là. Et ça sonne un peu comme ça. Alors, n'enregistre pas la loupe de solo, justement. Ah non, non, je. Ouais, je on va. Joue. On va jouer comme ça, on va écouter un peu. Juste pour l'explication, parce qu'après on va rentrer un peu dans la théorie musicale. T'es sur quoi comme gamme Alors là, j'ai La mineur, Fa majeur 7 et avec la dièse 11 de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Je vais avoir un Ré basse Fa dièse, enfin un Ré majeur, quoi, un Ré 7. En gros, je vais être en La mineur, dans le monde de La mineur, tout va bien. La mineur, Do majeur, voilà. Fa majeur 7, du coup, qui va m'indiquer que je suis en La éolien, c'est-à-dire La mineur, quoi, tout va bien, mon Fa majeur 7 est lydien. Quatrième degré de Do majeur ou B6 de La mineur, voilà, bon, bref. Mais oui, et c'est après, clair. Après, j'arrive sur mon Ré 7. Ré 7 qui m'indique, du coup, que je passe en La dorien le temps d'un instant. Ou ça pourrait être un La mineur mélodique, des choses, etc. Bref, on va rester sur du La dorien, ça va bien. En gros, tout ce que ça me dit, c'est que dans mon La où j'ai ma pinta de base, maison. Pinta mineur. Pinta mineur, ouais, pas de piège. Pinta mineur. J'ai soit une sixte mineure, soit une sixte majeure, selon l'accord qui tourne. Et bon, la neuvième qui est toujours la seconde majeure. Voilà. Ça fait un truc un peu comme ça. Nickel, bravo Swan, ça sonne à mort. Comme ouais, d'hab. Sauf quand je mets des pains de bâtard, mais sinon, t'inquiète, c'est pour faire parler les rageux en commentaire. Sans vouloir être vindicatif. Jamais, jamais être vindicatif avec Swan. Toi, tu sais faire ça parce que t'es un animal, tu passes ta vie avec ta guitare et tout. On disait que l'homme est un animal social. Enfin, bref. Ouais, tout ça, la Maslow, tout bordel. on y viendra plus tard. Mais. Ça sent le Rousseau. Oui, voilà, ça sent le Rousseau. Bien joué. Et donc, tu nous fais une belle transition, ça sent le Rousseau. Ouais. Et oui, parce que mais Laurent pourquoi, Rousseau. Pourquoi penses-tu que je fais un jeu de mots comme ça? Parce que Laurent Rousseau, il nous parle souvent du 12 Assistant. Et c'est une technologie qui peut aider des gens qui, comme moi, quand tu m'as parlé de ce que tu faisais, je ne comprenais rien. Enfin, mais si, ça va très bien. Non, bon, d'accord, je comprends. Moi, tu me parles de mixo, c'est bon, ciao. Salut. Mixologie, oui. Tout ce qui est alcool et tout, oui. Ouais, voilà. Non, moi, tu vois, tu me dis pinta mineur, tu me dis la mineur. Ok, vas-y, pourquoi pas. Après, tu m'as parlé de trucs, j'ai aucune idée de où sont mes doigts sur le manche. Quelque part par là, ouais. Ouais, quelque part par là. C'est simple, ta gamme, elle est là, voilà, tu voilà. Te démerdes. Moi, je sais pas faire tout ça. Et donc, on a un copain qui s'appelle Nicolas. C'est vrai. Qui a créé le 12 Assistant. C'est vrai aussi. Il est pas loin, là, il nous regarde. C'est vrai aussi. Salut, Nicolas. Et
il s'est avéré qu'en plus qu'il est à quelques kilomètres de chez nous, quoi, à quelques kilomètres de Palf. Ah ouais, d'accord. Genre, genre Nico, il habite dans la colline au-dessus, là-bas. D'accord. Genre là, il peut descendre manger une pizza avec nous le midi, s'il veut. Quelque part, j'habite dans la colline au-dessus aussi. Ouais, toi, c'est la colline d'un peu au-dessus, genre avec un avion. Tu vois Paris. Ouais, tu vois Paris, là-haut. Donc sa technologie, on va en parler. Tu vois, là, t'as improvisé comme un cochon, parce que c'est ton métier, quoi, quelque part. De faire comme un cochon, oui. Oui, de faire comme un cochon. Absolument. Mais là, si on lance le logiciel, on va pouvoir improviser avec de l'élégance et un petit peu une ligne directrice. Oui, absolument. Genre... de la théorie, quoi. Coucou Nico. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Oui, bonsoir, c'est important. Quand il fait jour, on dit bonsoir ici. Ouais. À midi. À midi, on dit bonsoir. Ouais. C'est ça. Alors, tu es chez Palf. Hein, ouais. Et c'est voilà. Comme ça, alors. Ça fait quelque chose, hein. Ah ouais. Et tu es le concepteur du 12 Assistant. Le concepteur, ouais. Développeur. Développeur, mais tu es aussi le big boss, en fait. Big boss en chef. Ouais, je suis le big boss en chef si tu veux, je le gère en tout cas. Après, yes. Après je ne le fais pas tout seul parce que je m'entoure de gens compétents, notamment Laurent Rousseau qui m'a aidé à démarrer toute la machine. Ah bah là, Laurent, si je parle de personne compétente, on y est. Voilà. Oui. voilà. On a eu quelques heures de visio, d'organisation pour certaines fonctionnalités, etc. Et en gros, sans ça, bah, le toit n'existait tout simplement pas, quoi. Mmh. Ah, c'est cool. Bah, bravo en tout cas d'avoir lancé ça et d'être épaulé par Laurent. C'est un mec génial qui bosse super bien. Et théorie musicale, je crois que c'est un peu son domaine aussi. Ouais, donc ça va, il touche un peu. Ouais. Voilà, c'est un peu son truc, quoi, à peine. On va parler de tout le logiciel, comment il fonctionne, etc. Là, on est sur ton site. Mais déjà, juste, on va se faire une loupe en l'utilisant le plus simplement possible. Pour montrer à quoi ça sert pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, parce que là, on switch de pédale à de la théorie musicale, mais vous avez l'habitude, hein, on est avec Swan Vod, hein, qui aime jouer des choses compliquées. C'est vrai. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et donc, cet outil est censé pas aider Swan, parce qu'il connaît, mais en tout cas, l'accompagner, on va dire. Ouais, voilà. Et pour vous qui êtes dans ma situation, parce que quand on joue avec beaucoup trop de pédales, et qu'on a... à partir de 12 pédalboards, en général, on n'est pas assez bon. Voilà, c'est mon cas. Donc, ça va nous aider. Comment ça fonctionne? Vas-y, lance-le le plus simplement possible. Ah bah là, au plus simple que ça, j'ai déjà mâché un peu le travail, donc il n'y a plus qu'à faire. Donc là, c'est simple. Voilà. Mais pour faire simple, j'ai vu vite fait avec Swan ce qu'il voulait. Donc on a vu sur une gamme là éolien, on est parti sur une position. Éolien. On va pas partir sur... La mineure, Alex. La mineure. Ah, la mineure, oui. La mineure. Mineur naturel. Alors du coup, on est parti sur la position cage de mi, ou position, bon, en tout cas, on la voit à l'écran. C'est stylé. Et on a cherché trois accords sur donc les degrés 1, 5, 6. Donc d'accord. Là, c'est le La mineur 7, le Mi mineur 7, etc. Quoi. Voilà. On a fait simple pour pouvoir... là, on a fait simple simplement en cherchant ici. Non, mais c'est bien, c'est stylé. Donc là, déjà, on voit les accords qu'il faut jouer. On a choisi ça. Ok. Et comment ça, on a choisi ça? C'est que vous avez décidé de jouer ces trois accords? Bon, on a cherché simplement. Là, tu arrives, tu dis, tiens, je veux, comme okay. On a fait ici, on veut un La mineur 7, tu cliques et puis, bam, bien. Tu as les accords qui sont proposés par rapport à la position qui est sélectionnée. Tu vois, si tu regardes un peu, hop, c'est que des accords qui sont dans la position. Oui. Donc, on a choisi vite fait ça et puis je les ai mis, hop, dans ce qu'on appelle ici le pupitre. Donc, d'accord. On s'est fait une petite grille, quoi. C'est joli. Ok, bah vas-y, Swan, balance les accords dans la loupe, on rigole un petit peu. Donc là, tu as fait ta loupe, là, tu es d'accord qu'il sonne bien. La mineur 7, dans une position un petit peu originale. Enfin, un peu originale, assez chouette que j'aime bien. Mi mineur 7 et Fa majeur 7. En plus, ça a l'avantage du coup... Enfin, je remarque un truc, c'est pas en plus, c'est tout bêtement. Je remarque un truc super cool, c'est que ça permet, vu qu'on a toutes les positions d'accord, de choisir les voicings les plus proches possibles. Ah oui. Là, vraiment, je suis ultra proche. Si on regarde entre mon La mineur 7... Où là, je vais avoir sa fonda, sa tierce. Par rapport au Mi mineur 7, je vais avoir que... ici la fonda du la qui descend sur le sol, ouais. Et puis pareil ça qui remonte donc... et puis pareil sur le fa, ce qui me donne trois accords. En fait, c'est plus vous avez des voicings fins, le plus fins sont vos voicings en général, le plus rapprochés ils sont, le plus ça donnera de la finesse, plutôt, si j'arrive à formuler mon propos. Donc
Donc c'est un outil qui est vraiment formidable. Juste pour ça, je le remarque en deux secondes. Juste pour les accords, déjà. Parce que du coup, ça te donne vraiment les voicings. Ouais, c'est cool. Juste pour les accords, c'est cool. On va voir comment t'as créé ça après, mais je trouve ça déjà super chouette. Et donc là, en dessous, t'as les gammes. Oui, ce que ça me donne, là, c'est une position possible de la gamme de la mineure, l'éolien, voyez ça comme vous voulez. Ou du coup, je vais pouvoir improviser sur ces notes-là. Qui vont tomber dedans quoi qu'il se passe, ça c'est assez cool. Voilà. Est-ce que t'as moyen de les afficher sur tout le manche par exemple? Parce que là t'es dans une position cage, comme tu disais. Ouais bah voilà, oui tu as moyen de le faire. Parfait, tu peux aussi afficher en notes. Ouais, hein, est-ce que tu peux afficher les intervalles? Oui, tu réponds à ma question. Tu les peux intervalles faire celle-là ou celle-là? Moi je m'en fiche royalement, je pense que les couleurs c'est mignon. C'est cool. Ah, c'est mignon les couleurs. C'est mignon les couleurs. Ah, les couleurs. Ouais, trop bien, j'ai les couleurs. C'est cool parce que ça c'est un truc qui est très important pour moi, les intervalles. Autant les notes en tant que guitariste, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus essentiel à la compréhension de l'instrument, savoir quand la dorien on a un fa dièse. Oui, c'est bien parce qu'après on peut parler avec d'autres musiciens, leur expliquer, mais concrètement il faut surtout comprendre, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je le vois, que c'est la sixte majeure quoi. Bon là en l'occurrence c'est un fa bécard, mais tout ça pour dire que ça y est, j'ai perdu les moitié des gens en disant fa dièse. Ils sont en train de s'endormir. Et, non, je suis désolé. Non mais tout ça pour dire que c'est bien parce qu'on comprend ce qu'on fait et ça c'est important. Et ce qui est important c'est quand tu as compris ce que tu veux faire, bah tu peux facilement transposer parce que tu parles plus en notes mais en intervalles. Quand tu transpose, ça sera les mêmes intervalles à chaque fois. Voilà. Si jamais tu transposes et que tu veux juste retenir les nouvelles notes qu'il faut jouer parce que c'est une nouvelle tierce, bah, ça sera des nouvelles notes. Bon, ok, bah vas-y, fais-nous une petite loupe des enfers. Et bah du coup, là, j'ai ma loupe des enfers. Je te mets le boost. Ouais, vas-y, faisons-nous plaisir. Et puis du coup, là, bah, je peux improviser des heures durant jusqu'à ce que tout le monde quitte la vidéo. Je fais juste une tourne et ça ira très bien. De sortir de la gamme à la fin parce que sinon c'était pas drôle, mec, insupportable. Ça marche très très bien parce que là du coup je la vois, la mineure ça va, je l'ai à peu près. L'idée c'est juste que du coup là avec ça je me retrouve à pouvoir vraiment regarder, me dire ok là j'ai mon ta-ta-ta-ta, j'ai ma position, merde, tu vois je tombe sur un si bémol, c'est bien, j'ai ma position de base. Comme ça, je suis légèrement désaccordé parce que c'est vachement plus joli comme ça. Et du coup, l'idée, c'est que derrière, je peux vraiment aller me dire, ok, je joue ma quinte, ma quarte, ma tierce, ma seconde, ma B7, ma quinte, ma sixte, etc. mineur. Et du coup, de là, quoi? Bah non, mais c'est ce qui est écrit, moi, je fais que... Non, mais t'as raison. En effet, t'as fait trois accords. Les accords, bon, ici, tu vois, ici, on peut afficher des intervalles aussi, si tu veux, mais bon... Non, on reste comme ça, on bouge pas, c'est les doigts. C'est bien les doigts. Donc du coup voilà, tu fais les accords et en dessous tu peux jouer, vu que c'est les accords qui sont issus de l'harmonisation de la gamme de la mineure naturelle, tu peux jouer ce que tu veux en impro en dessous. Donc là déjà c'est hyper simple. Maintenant si jamais tu veux t'amuser à tirer un peu de la sixte ou quoi, il faut savoir un peu de quoi tu parles, donc faut s'intéresser à la sixte. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu veux donner comme expression, quel type de musique, etc. En tout cas, là, tu sais que tu peux jouer ça, il n'y a aucun problème, tu ne vas pas être à côté. Si tu veux faire simple, sans théorie, tu as déjà ça. En tant qu'utilisateur, je démarre ton truc, comment j'en arrive là? Tu as plusieurs possibilités. Déjà, tu veux partir soit d'une gamme, soit d'un accord, soit d'une position, soit de... Donc là, vous avez choisi la mineure. On est parti d'une gamme. Parce que c'est simple pour la mineure naturelle. Pourquoi c'est simple? Parce que là, tu viens de faire une grille d'accords. Pardon. Ouh, les couleurs. Ça va, je vais pas mourir, les gars. Je rigole. Je vais pas mourir, c'est juste qu'on va se faire virer. Ce que je voulais faire, c'est que là, je suis sur du la mineure naturelle. Ouais. Là, si jamais j'enlève deux intervalles. Ouais, t'enlèves les secondes et les sixtes. Magie, je me retrouve sur de là, Alex, tu as ta mineur. Oui, ta mineur. Bon, vous arrêtez de me prendre pour un con là. Mais non. Ce que je veux dire, c'est que les mêmes accords qu'il vient de faire, on peut aussi improviser sur une pentamineur, chose que tu connais. Oui, ça va réduire les notes. Ouais, t'auras moins de notes. Donc quand tu fais du feeling, t'enlèves plein de notes.
Il est con. On est d'accord. Tu peux. Tu t'as peux, ça te fait une nouvelle voir, je suis curieux. Si j'enlève ça là. La quinte, et eh ben on se retrouve avec une. C'est intéressant. On se retrouve avec quelque chose. J'ai la quinte quoi. Non, mais regarde. Si je joue. Est-ce que ça devient nul? Mais non, parce que écoute, je peux improviser juste avec ça, c'est super cool. Ouais, ça c'est super, c'est bien. Étonnant, ça moi, marche bien, ouais. De la restriction vient la moustache. Ah mais je suis d'accord, moi. Bon alors, Swan, hop. Non mais là, il n'y a plus rien. Non, je regarde le mec qui dit tout après, tu sais. Tu vas nous faire un morceau. Mais au bout d'un moment, je dois laisser quand même... Il faut que t'en laisses trois au moins, s'il te plaît. Ok, à la d'accord. Fin, c'est un accord, ton truc. Ouais, là, j'ai pas de tierce, j'ai une carte, j'ai une septième. Allez, fais-nous un morceau. Bah ouais, grave. Ça marche. Ok, génial. Mais alors, top, comment on programme ça dès le début? Alors, on a dit qu'on faisait une gamme de la mineur naturelle. Oui, absolument. Et ensuite? Donc on part de zéro. Bah, je suis sur du la mineur naturel, j'affiche ici, bim, l'harmonisation en fait, de toute la gamme. Donc je vois le chiffrage de 1 à 7, hein, donc les 7 degrés, dont mon la mineur naturel. Donc mon degré 1, c'est un... Là. C'est un... Ouais, ça suit, c'était une question pour moi, là. Oui, oui, ça suit, okay, là, pour voir si simplement tu suis les notes. Alors regarde. Du coup, je me sens piégé dans cette vidéo. Tu vois tous les les notes par rapport au degré, les fondamentales de chaque degré. Si, voilà. Si jamais je change, je me mets en un truc. En do dièse. Do dièse. Très bien, comme ça. Calcul. Tu peux... Donc c'est si tu veux changer de tonalité en plein morceau, en plein milieu d'un morceau, quoi. Oui, par exemple. Ouais. Ou alors. Oui, ou refaire ton exercice. Tu me disais qu'on partait d'une gamme. Donc du coup, je pars sur une autre gamme, sur un do dièse. Donc là, 1, 5, donc là, bim, j'affiche mon truc, j'ai mes accords. Alors là, j'ai pris mes accords sur toute la gamme, vu que j'ai pas appuyé sur une position. Du coup, hop, si je mets une position. Donc, là, je clique, et je vais avoir mon degré 5 dans la position. Donc, chercher de faire comme une suite d'accords. Régionaliser au même endroit, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Sinon, tu es obligé de faire, si tu transposes ton accord, t'es clac, 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 clac. Ah ouais, c'est bordel. C'est pas forcément. Ça peut être saccadé déjà en jouant, ça peut être aussi recherché. Mais ce qu'il y a, c'est que tu changes aussi, donc au niveau des octaves, c'est pas les mêmes, etc. Donc ça peut être intéressant de rester dans la même région. Donc là, bon, je vais choisir. J'y vais au pif, hein, parce que là, on fait vite. Et pareil que tout à l'heure, donc un 7 aussi, donc un majeur 7. Okay. Je le prends encore au pif. Ah, t'aimais bien celui-là, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, très bien. Ouais, bah, tu vois, on le retrouve. Parfait. Et voilà, là, t'as une suite d'accords différente, mais harmonisée sur mon do, dièse, éolien. Stylé. Donc là, voilà, comment je l'ai programmé sur une. Ouais, gamme. Ça va vite. Ça va vite quand tu maîtrises l'outil. J'ai pas montré un truc rapidement, c'est qu'on peut les écouter. Alors pourquoi les écouter, ça peut être intéressant, parce que toi tu te dis bon tiens il est sympa cet accord ou quoi, tu le joues rapidement. Mais même, moi par exemple, je vois un accord genre celui-là, je vais dire il est où sur le manche, je vais essayer de le jouer, je vais un peu le rater, je vais pas l'écouter. Tandis que là je vais l'écouter, ça me plaît, j'apprends à le faire. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire, ouais. Tu peux aussi écouter donc sur le manche, tac, et t'as le fameux bourdon. T'as le bourdon qui te donne la tonalité, et t'écoutes. Gros, tu vas entendre, là, c'est ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir entendre sans la guitare la couleur de ta gamme. Ok. Ok, c'est ça qu'on dit, une gamme, c'est une couleur, en fait, c'est un sentiment, en fait. C'est pas... C'est beau ce que tu dis, là. Bah, c'est Laurent Rousseau qui m'a appris tout ça, tu sais. Ah, ouais. Voilà, mais c'est vrai, c'est je vois bien parler de sentiments avec les gammes. Bien sûr, alors juste qu'on soit clair, pour moi, Laurent Rousseau... C'est que ça. Des émotions. Pour moi, Laurent Rousseau est juste un des meilleurs musiciens possible. Donc voilà, du coup, voilà, on a programmé le machin à partir d'une gamme. On peut partir de l'outil, hein, mais généralement, dans la vraie vie, tu as la guitare aussi dans les mains, tu fais un accord. Ouais. Disons que... Ouais, tu veux jouer un accord que tu sais pas ce que c'est. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Tiens, un do majeur. Enfin, du coup, je ne sais pas ce que c'est.
je me suis mis sur le mode search. Ouais, okay. Donc moi j'ai mon doigté. Alors j'essaie de regarder ton doigté. Est-ce que t'étais comme ça ou j'ai un presque. Truc je... Tiens, non, je me permets, tiens. Bah, tac, pouf. Voilà. J'allais le faire. Tac, tac. Ah, ah, hop. Ouais. Voilà. Bien vu. Ok, tiens. Donc ça c'est ton accord. Voilà. Et lui il passe en mode, mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que donc qu'est-ce que c'est ça? Alors attention, parce qu'on n'a pas prévu ça à l'avance. Error faut... système, c'est Swan. Error système, il y a déjà. Il y a une septième, oh, ça marche plus. Enfin, je sais pas du coup. Tu sais pas. Oh, magnifique. Wow. Là, je cherche quoi? Un accord, donc je vais dire que je cherche un accord. Très bien. J'ai 13 résultats. Tu savais sur quelle tonalité t'étais ou pas? Oui, enfin, oui, du coup, mais bon. Non. Imaginons, je ne sais pas. Ouais, dans quel fondamental est mon accord, tu vois? Voilà les résultats. Ah, mais là, il faut être un peu manche pour pas savoir ça. Non, ça dépend, ça peut être un peu... Tu peux même pas savoir. Moi, tu vois, ça m'intéresse énormément. Regarde, descends un tout petit peu si tu veux bien. Voilà. Parce que, fast forward, j'ai joué un Do majeur 7. J'étais ne pas censé le savoir. Censé ne pas le savoir. Mais en revanche, là, ça me donne d'autres options de ce que ça pourrait être auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Donc en fait, ça te permet de voir plein de résultats compliqués, de te dire, voilà. En fait, le plus simple, c'est quand même le Do majeur 7. Il n'y a rien de compliqué. Mais oui, il faut juste... Non, non, mais là, c'est aller... Non, mais t'as plein de résultats qui sont... complexe, parce que ça pourrait coller. Mais voilà, aussi, ça peut donner des idées super, quoi, d'un coup, comme ça. Ouais. Pas du tout vu, ça te permet de le voir via un prisme différent. Oui, parce que lui, là, il me fait peur. Là. Ah, mais regarde, tu cliques et tu vas voir, en fait, c'est le même. Tu vas voir le manche avec là, ce que tu as touché. C'est génial. Oh. Mais oui, parce que regarde, moi, un Mi mineur 7 B13, ce serait un peu l'enfer, je serais obligé de le faire comme ça. Genre, un truc... Même si je vais vraiment un peu... Un peu l'enfer comme ça. Un peu l'enfer, ouais. Alors que là, à l'inverse, je me dis, bah du coup, oui, parce que j'ai bien mon Mi mineur ici, et sa B13 là. C'est trop bien, c'est génial. On continue dans le truc. On a dit qu'on partait d'un accord, on a trouvé un accord. Du coup, toi, ça te va de partir sur un majeur 7? Un Do majeur 7, c'est très bien. Au moins, on est simple. Parce que... Alors, je vais rentrer dans le 12, dans le Do majeur 7. Ok. L'accord que tu as, toi, décidé ici, moi, je ne l'ai pas en diagramme, parce qu'il y en a pas mal, mais on n'a pas tout mis, ce n'est pas possible. Mais évidemment. C'est encore une fois Laurent qui a tout rentré à la main, il a pris une semaine à tout rentrer, il y a 14 000 accords à la fin. Par contre, ça veut dire que tu retrouves à chaque fois, quand tu choisis une nature d'accord combinée avec sa fondamentale, tu as à peu près entre 15 et 20 positions de diagramme. Donc, c'est ce qui permet de tout à l'heure, comme on a dit, on cherchait des accords dans une position, moi, il me faut des positions d'accord, tu vois. Mais si jamais il n'y est pas, comme ce que tu viens de faire, et ben on va le créer, bim. Donc c'était ça, tu me rappelles, je ne sais plus. Oui, c'était ça, ouais, et celui du milieu. Voilà, ça. Donc là, ici, je vais dire, Do majeur 7, je vais le créer, et je vais me créer mon diagramme dans ma bibliothèque à moi. Génial. Je vais le nommer. La bibliothèque Swan, fais gaffe. Voilà. Que des accords altérés, B13, B9, tout le temps. Donc je l'enregistre. Maintenant que j'ai enregistré mon diagramme, je vais le voir ici, en tant qu'accord qu'on appelle custom, il est ici, je peux l'écouter. Oui, comme tu disais. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais le connecter à une gamme. Ouais, mais donc, grave. J'appuie sur un bouton, hein, ça et des tutos de ça qui expliquent, on va faire un peu vite, mais bon, t'as un menu contextuel, voilà. Je vois ton accord qu'on vient de créer, je le vois sur mon manche, et je vois toutes les gammes qui sont connectées à cet accord. Trop bien. Tu vois, donc en gros, avec cet accord, tu peux le jouer totalement en harmonie avec toutes ces gammes. Ok, d'accord, stylé. Et donc là, par exemple, tu lui dis fais-moi du lydien et vas-y. Exactement, bien joué. Lance-lui un lydien. T'as rien, allez. Lydien, je vais l'ouvrir dans le 12 avec le lydien. Et du coup, là, tu as le 12 qui s'ouvre avec ton accord, qui s'est mis dans le Ouais, je le vois au-dessus. Dans ma grille. Stylé. Et là, maintenant... J'ai mon lydien qui s'est là, t'as ta gamme en bas, en lydien, et en haut, t'as un accord. Et comment tu peux choisir des accords qui vont bien avec? Regarde, tu les as là tous là. Ok, vas-y. Donc là, par exemple, si tu mets un... Donc là, je peux cliquer n'importe où, ce sera un accord qui ira bien. Mets le 2 avec, par exemple. Vas-y, alors le 2... Voilà, le 2, c'est parfait. Je te le mets en 13 pour te casser les pieds. Ouais, je me vengerai, mais c'est pas grave. Tu te vengeras, t'inquiète. Ce sera retenu. Et là, j'en choisis un au pif. Donc tiens, un bien chiant. Il n'y a pas bien chiant. Je vais le buter, ça. Bon, lui, il n'est pas chiant. Tiens, tu l'écoutes. Voilà. Non. 4. Ah, 4, pardon. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, je t'en mets un petit troisième là pour t'embêter un petit peu. Ouais, alors j'allais dire, là pour le coup, on va essayer de gagner du temps. Deux, ça ira bien. Ça ira bien pour commencer. On a compris l'idée. Allez. Mais voilà. Donc on a un Do majeur 7 et un Ré 13. Ok, faut que je fasse une mini boucle.
Bah, ça marche très bien. On a même mis une petite carte Bécard au lieu de dièse, un petit foirage à la fin, mais c'est très bien. C'est, franchement, c'est trop cool parce que là, ça donne des idées. Oh là là, c'est bien. Là, si tu veux des idées, regarde, on peut partir sur un autre outil qui est en fait un moyen simplifié de créer ces suites d'accords. Très bien. Parce que juste avant, on était sur la gamme, on cherchait le degré, l'accord, etc. Ah ouais. Maintenant, on est là, on est sur, par défaut, Do majeur, c'est un générateur de suites d'accords que j'ai fait. Donc du coup, par défaut, on est sur un 1-6-2-5. Mm-hmm. Dis-moi un autre truc qui te plairait. Un petit truc custom, peut-être. Je sais pas. Ils vont trop loin. Mais non, mais non. 1-4-3-6. Allez, 1-4-3-6. Ouais. Ah, c'est bon. 3 ouais, et 6. Du coup, on là, si j'y vais, je clique. Donc là, ça m'a calculé en fait l'harmonisation mm-hmm. par rapport à mon Do majeur. Génial. Donc je vois mon chiffrage comme tu as mm-hmm. choisi. Et tu peux chercher des accords comme tu veux. Bien. Sachant que je les ai choisis par rapport ici, tu vois la zone du manche, le bas du manche, que je peux étendre si je veux. D'accord. Et donc, oui, donc là, je choisis là. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire clac, 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 clac. Tu choisis tes accords, tu choisis si tu veux majeur 7, etc. Il y a aussi un système où tu peux rentrer des accords en favoris. Donc là, du coup, bim, j'ai des accords favoris là-dedans. Stylé. Donc au moins, les accords favoris, c'est des positions qui sont favorites. Que tu sais refaire bien et du coup, tu les fais au niveau transposé sur le manche. Ben voilà, tu peux... Et du coup, un système simple pour ça. Tous ces accords sont censés sonner. Tout ça, ça sonne. Quoi que tu fasses ici, tu appuies sur le bouton, ça... Après, est-ce que c'est joli ? C'est autre chose, mais c'est censé être juste. Alors attends. Oui. Ça va commencer par du mineur majeur, ça va beaucoup s'entendre. Il n'y a pas trop de renversements et tout quand ça commence. Okay. Après, tu peux toi t'amuser à mettre des renversements, des choses qui sont un peu plus difficiles à entendre, mais par rapport à ce que tu veux en faire. Et là, j'ai choisi par rapport à ce qui est par défaut. Maintenant, tu peux aussi faire, on va dire mixolydien. Hein. Ouais, vas-y. Hein. Et du coup, tu as fait une suite d'accords, une progression harmonique par rapport à mixolydien. Donc, c'est un Do mixolydien avec le chiffrage que tu as choisi. Bon, t'as choisi toi, mais t'en as déjà, on en a bien sûr mis quelques-uns ici pour ceux qui savent même pas trop choisir, mais tu peux donc choisir par défaut. Et donc, et quand c'est bon, tu l'ouvres avec le... Bah, tu peux l'enregistrer, t'as un endroit pour enregistrer, trop etc. Bien. Tu peux l'ouvrir avec donc, le 12, tu vas voir donc ta gamme de mixolydien en dessous pour pouvoir improviser par-dessus ta suite d'accord. Voilà. Et ça, c'est génial. J'aurais aimé commencer par ça. C'est marrant, c'est exactement ce que je disais en haut. Oui, mais c'est pas l'outil, ça. Ça, c'est un peu comme un petit plugin. C'est un add-on de l'outil. Ouais. Voilà. Bah, la donne, ça change la donne. Très bien. Il permet d'accéder facilement à l'outil. Qu'est-ce qu'on peut trouver là gratuitement sur le 12 si on veut se balader sur le 12 là? Qu'est-ce qu'on trouve? Gratuitement, il y a une démo du 12 avec la gamme majeure. Toutes les tonalités sont dispo sur la gamme, sur le mode ionien de la gamme majeure. Ok. Très bien. Donc là, vous pouvez aller vous balader pendant qu'on en discute. Il y a le lien dans la barre d'infos. Tu as aussi normalement les accords majeurs mineurs en mode 12, donc sur le manche. Mm-hmm. Parce que, bien sûr, on a parlé des gammes, mais tu as aussi les accords. Donc là, tu vois ton accord. Bon, tu as les positions d'accord, hein, tu as les diagrammes. Mais tu peux aussi construire toi-même ton accord si jamais tu es un peu freestyle. Mm-hmm. Tu vas pouvoir créer ton accord en prenant un intervalle de chaque et okay. voilà, créer tes positions. Bien. Ce qui te permet de faire un peu... de pouvoir comprendre déjà les accords, etc. Donc tu as ça en dispo en gratuit, au niveau 12. C'est en mode démo. Ensuite, tu as une bibliothèque d'accords disponible, pas mal de positions. Les accords, tous les accords principaux en fait, majeur, mineur, le 7, majeur 7, c'est mineur chouette. 7, ça c'est tout disponible en gratuit. Tu peux créer des progressions. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi se balader déjà. Ouais, il y a de quoi faire. Si jamais on veut s'abonner, là ça ouvre toutes les portes, machin. Et ça fonctionne Comment ça fonctionne? Simplement, quand on arrive sur le truc, il y a un moyen de l'ajouter au panier et de s'abonner. Voilà. D'accord. Sachant que là, cette vidéo, imaginons qu'elle sorte en février, mars, admettons. Est-ce que d'ici là, tu auras peut-être changé ton modèle économique? On en parlait un petit peu ensemble. Non, peut-être pas. Peut-être je pense pas. Rester sur le modèle tel qu'il est. D'accord. En fait, j'ajoute vachement de fonctionnalités. Ouais, c'est ça. Pas le prix. C'est que Nico, il est ouf. C'est que le prix, je crois que c'est 50 balles par an. Oui, j'allais dire. Est-ce que c'est 49, un 49 euros par an, vous avez accès à tout l'outil. Et il est en train de rajouter plein de fonctions. Enfin, moi, en tant que. Je dirais, il faut payer, quoi. Voilà, il est en train de travailler. Non, il considère que c'est comme s'il faisait une V2, V3, V4, il c'est améliore. Ça. Ben là, je fais la V2 qui sera peut-être sortie d'ici la sortie de la vidéo, mais peut-être pas non plus, qui sera beaucoup plus enrichie, mais bon. 49 euros par an, t'as un outil qui va évoluer.
Donc ouais. Ton abonnement annuel, en plus, tu sais que déjà, 49 euros pour un truc comme ça, c'est plus que mérité. Non, on est à 4 euros par mois, enfin un peu moins. Ouais, voilà. Et derrière, il va évoluer tout le temps parce qu'il va prendre en compte vos retours pour les amis. Enfin, c'est une belle affaire. Puis surtout, bah, je fais ça avec plaisir, donc du coup, je fais ça pour que ce soit mieux. Et je le fais aussi pour moi. Parce bah que oui. Je l'utilise à mort, l'outil. Bah oui, grave. Donc dès que j'ai une idée, tiens, ça serait bien qu'il y ait ça. Bah si je le fais, c'est aussi pour que je puisse l'utiliser, tu vois. Je me pose la question de comment tu as développé l'outil. Parce qu'on voit qu'il y a plein de gammes, il y a plein de notes, il y a plein de choses qui ont une logique. Ouais. Est-ce que ces notes, tu les as rentrées? Ou est-ce qu'il y a eu quand même une formule, une science? Tu vois ce que je veux dire? Il y a une automatisation. Est-ce que tu as une automatisation de rentrer toutes les notes, quoi? Il y a les deux. Parce que, en fait, la question subsidiaire, c'est est-ce que tu vas avoir toutes les notes qui sont garanties justes, parce que c'est la théorie, ouais. Ou est-ce que tu prends un risque parce que tu as tout rentré à la main, quoi? Non, ouais. Je me suis cassé la tête. Ouais, ouais. Et avec Laurent, on a cherché. Parce que déjà, en plus, à ce moment-là, j'apprenais vraiment le niveau harmonie. Ouais. Donc Laurent m'a fait une formation sup. En gros, t'as fait conservatoire plus, ouais. Avec Laurent dessus. Ouais, voilà. Sachant que j'ai appris non pas pour faire la musique, je l'ai appris pour développer l'outil ouais, qui soit compris, juste. Ouais. Mais en gros, t'avais quand même une base théorique que t'as pu appliquer par, calcul. Ouais. T'as pu faire un calcul de fréquence ou de notes. Est-ce que tu veux que je rentre un peu dans l'histoire, vite fait? Ouais, une petite histoire, ouais, une petite histoire. Bah, la petite histoire, sans être trop dans le début, c'est à partir du moment où avec Laurent, on a commencé à rentrer en contact plus régulièrement pour des projets ensemble. Ok. Son fameux Ear Trainer. Ok. C'est un truc qu'il a mis en place sur sa formation intervalle. Encore une fois, lui aussi, hein, il a même pris, il n'a pas augmenté le prix, il a balancé ça et c'est un gros outil qu'on a passé du temps à développer. Et au début, il me disait, ouais, est-ce que tu penses que c'est possible de faire un outil où tu entends donc l'intervalle? Le Ear Trainer, c'est en t'entends deux notes et tu sais l'intervalle, enfin tu repères l'intervalle, tu dis oui ou non, machin. Enfin, c'est un outil pour s'entraîner à l'oreille, qui est très important. J'explique pourquoi, ça va parler à tout le monde. Quand tu as une mélodie dans la tête, si tu ne sais pas la retranscrire parce que tu ne sais pas la nommer, c'est dommage. Donc savoir les intervalles de tête, ça te permet aussi, tu as une musique dans la tête, la nuit, tu te réveilles. Enfin, moi, je suis comme ça, à 4h du matin, je vais me réveiller et clac, 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 je fais la musique, tu vois. Moi, j'étais comme ça. Ah, c'est passé. Maintenant, c'est les pédales. Maintenant, j'ai un bébé. Ah, il parle pas de moi. Le Ear Trainer sert à ça dans sa formation intervalle. Il voulait un truc dédié, etc. à sa formation. Donc moi, je fais ça avec grand plaisir. On s'est vraiment éclaté à faire ça. Et ce qu'il voulait, c'était un truc assez simple. C'est du style, je programme les questions, je mets les notes et tout, et je fais les réponses. Et en gros, il voulait un truc comme ce qu'il avait en format vidéo. Mais en gros, ta question, tu as un questionnaire et tu auras toujours le même. Okay. Et moi, j'ai dit non, on ne peut pas faire ça parce que mec, ils vont se faire chier. Moi, je la faisais en plus la formation interne à ce moment-là. En gros, ça va toujours émettre les mêmes réponses, etc. Donc, j'ai dit, viens, moi, je te crée un algorithme qui calcule les intervalles et puis ça te génère les questions sur le vif. Donc, en gros, tu n'as pas une fois la même question, c'est calculé. Il y a un ratio de taux de réponse juste, etc. C'est calculé pour que tu aies un truc sympa. On a déliré, par exemple, les messages qui te disent si tu as 6 à la fin, tu as un message d'encouragement, mais qui n'est jamais le même, tu vois. Je lui ai même fait un système back-office pour qu'il puisse, lui, en rajouter, etc. On a vraiment déliré pour... Ouais. Un jour, tu vas te retrouver avec un... Franchement, pète sa mère. Les développeurs aussi, c'est ça, les développeurs, ils vont trop loin. En plus, avec Laurent, c'était cool, on s'amusait. On était levés tous les deux à 7h du matin et couchés à 23h. Enfin, tu vois, on était à fond. Synchro pour ça. Enfin, c'est un gros bosseur. On le sait quand on voit son travail, mais quand tu travailles avec lui, tu te rends compte que c'est un gros bosseur. Il tient à cœur à faire les choses bien, donc pour l'outil aussi, il a voulu faire ça bien. Pour le Ear Trainer, on a fait ça, et l'algorithme que j'ai créé, je lui ai dit à un moment donné, je me suis réveillé à 4h du matin, et je me suis dit, mais on pourrait, je fais ça, tu vois, dans ma tête, en tant que dev, et j'affiche la manche. J'ai pas besoin, j'ai calculé, je fais un truc qui calcule tout simplement les intervalles, comment on va positionner, donc il suffit que je pars d'une fondamentale, et puis j'affiche mon manche. Je fais, on peut faire ça. C'est facile. On peut faire ça, c'est avec ce que j'ai fait, je peux faire ça. Et il me dit, c'est cool et tout, pourquoi pas. Donc à 4h du matin, je me lève, je descends mon bureau. Donc, à 4h du matin, il y en a qui achètent sur palf.fr et d'autres programment des manches. Ouais, voilà. Mais tu sais, t'as une idée en tête, tu te dis, c'est génial et tu peux le construire direct. Ouais, je vois l'idée. Toi, t'as une envie de créer une pédale, il faut que c'est un peu compliqué, il faut réfléchir à des choses et tout, il faut du monde. Moi, je dis à l'équipe, les gars, il faut développer une nouvelle pédale. Hein. Voilà ce qu'il faut faire. Mais moi, c'est genre, j'appuie sur le clavier, je peux créer le truc, tu vois.
Oui. Donc forcément, tu dis, c'est magique. Je descends, et puis à 10h du matin, j'avais mon premier manche qui s'affichait. C'est trop ouf. Avec, bon, c'était tout dégueulasse, hein. Bah avec oui, un tableau, c'est les débuts, avec des lettres. Bah oui, c'est la et c'est de là qu'est né le 12. Après, on a rajouté des fonctionnalités, des machins. Alors, pour répondre à ta question, c'est parti d'un algorithme. Ouais, ouais. Par contre, maintenant que j'ai mon algorithme qui calcule tout, bah, Laurent, il a dû dire, bah, éolien, bah, c'est une seconde majeure. J'ai compris ce que tu as. Seconde majeure, c'est ça. Ok, il compose. Il compose. Il te fait tes recettes. Voilà, il a simplement à mettre ta petite recette, les intervalles, et puis ça te fait le manche. Au niveau de l'algorithme que j'ai créé, ouais. Donc, il suffit simplement de rentrer donc, les intervalles pour créer une gamme dans le 12. Okay. Alors, ça ne suffirait pas pour faire tout ce qu'il y a derrière, mais là, du coup, ça fait que le mode créatif te permet de créer toi-même ta gamme. Donc là, okay. Tu arrives, tu as tous les intervalles qui sont c'est là. Ouf. Du coup, regarde, j'ai créé la gamme rapidement, là. Donc, il ouais. Y a tout qui s'affiche sur le manche. Et puis, je clique sur un bouton et je vois tous les accords qui sont en connexion stricte avec cette gamme que je viens de créer. C'est-à-dire tous les accords qui vont, bah, si je clique là, ouais. Hop, je vais voir l'accord qui va toucher toutes les notes que j'ai mis dans ma gamme. Donc voilà, c'est l'algorithme permet facilement de faire ça, en fait. Génial. Stylé. Stylé. Ok, et eh bah, t'allais vachement loin dans le logiciel, tu nous as fait bien mal. Niveau théorie, c'est bon, est-ce qu'il moi, faut moi, j'aime bien. Mais oui, mais lui, lui, il connaît tout. Ouais, on n'a pas parlé de théorie. Oh, non, si, un petit peu quand même. Ouais, un petit non. Peu. Ah, c'est ouais, un ouais, peu, ouais. Tu vois, on a effleuré le truc. On a effleuré. Et donc, on a parlé. Tu vois ce que ça fait de parler de théorie? Ça transforme les gens. Il y a une autre fonction dont tu voulais parler, c'est le côté communautaire. Ah bah voilà, justement, j'avais demandé s'il y avait un moyen de partager les grilles d'accords une fois que tu les avais, un truc comme ça, de les envoyer ou quoi. Donc tu peux créer donc, des suites d'accords, tu les enregistres si tu veux, et quand tu les enregistres, alors est-ce que j'en ai ici? Bah ouais, j'ai fait la suite de Swan tout à l'heure, là. Logiquement. Suite quoi, ça bah, celle qu'on a fait au mon début. Mon petit quoi. Cahier. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Donc là, c'est mes gammes, tu vois. Je vois en gros bah, la suite de Swan qu'on vient de faire. Je vois sur quelle gamme c'était, les accords qu'on a fait. Au début, j'ai cru que c'était du sang, mais non, c'est une tasse, à café, une tasse de café. Une café, ouais. C'est ouais, d'accord. Enfin, c'est ce que dit. Là. C'est son cahier. Ouais. Donc du coup, voilà, tu vois, mais bon, je ne vais pas entrer dans pas mal de détails là-dedans. Je vais faire simple. Ici, je peux la rendre publique, tout simplement, ce qui me permet de la envoyer sur. Alors, on va sur la page, voilà. Sur la page des suites d'accords des utilisateurs. Mm. Il doit en avoir actuellement 300 quelques. Purée. Et je peux les trier, donc bon là c'est en aléatoire par défaut. Hein. Est-ce que ça groove? Je peux les liker. Non, j'ai pas. Bah, c'est des suites d'accords. Mais bien sûr. C'est pas de la tablature, il n'y a pas de rythme, rien. Du c'est coup, bon, certains mettent ce qu'ils mais veulent. C'est trop cool. Alors là, c'est celle de Florence. La première sur laquelle on est tombé en aléatoire. Hein. Je le précise parce que. Donc Ré de rien. Et là, du coup, voilà, elle a fait. Donc, ces accords, elle est débutante. Là, elle a pris l'abonnement. Elle avait 2 semaines de guitare. Par contre, elle a fait le conservatoire et elle a la théorie. Ouais, mais c'est trop bien. D'accord. En fait, elle jouait un autre instrument et la guitare, ça fait 2 semaines. Ouais. Ok. Alors, je la connais, elle, parce que je sais, je la connais vu que je l'ai interviewée, en fait, ouais. Pour le 12. J'ai fait une vidéo interview, j'en fais souvent des vidéos interview utilisateurs. Et du coup, voilà, ça suit, d'accord. Et donc, là, tu vois, carrément, t'as ton. Alors. C'est à vide, non? Ah, c'est plutôt. Ah, c'est open. Moi, je ne sais pas jouer. Ouais, d'accord, ok. Et c'est là, tu te retrouves. En gros, voilà, tu peux, sans avoir stylé, créer tes trucs, tu peux regarder ce qu'en font les autres et tu t'amuses, quoi. Je sais que je le dis beaucoup, mais je trouve ça très stylé, hyper complet. Et me dire que ça fait moins d'un an que c'est en ligne, du coup, et que ça va évoluer, c'est quand même très excitant. Ah ouais, ça va évoluer, là. Il y a des... Ah, ça va évoluer. Il y a des trucs. Génial. Bon, bah, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour du sujet. On, ouais, a, bien ouais, exploré, ouais. On a bien exploré. Il y a beaucoup de choses à faire encore, on n'a pas le temps de tout faire. Mais non, non. Je me suis éclaté avec le Ear Trainer hier à l'hôtel, j'étais là fatigué. Oh, c'est une sixte mineure, c'est marrant ça. Il en faut peu. Oui, il en faut pas beaucoup pour être très content, comme disait. Et juste un petit rappel, voilà, vous avez le lien dans la barre d'infos, c'est un lien affiliate que ouais. Tu avais proposé. Donc voilà, si vous prenez par le lien, ça soutient Palf. Et en même temps, ben Nico, bien évidemment. Voilà. Donc c'est cool. On finit avec une petite loupe de Florence. Ouais, carrément, on peut. Allez. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.